c'est le 24 décembre. Pour tout vous dire, on est à genre 2h du réveillon. Je viens juste de finir de me préparer. Donc je me suis un petit peu maquillée, hein, un petit peu coiffée, également un petit peu habillée, mais très rapidement. J'ai mis une... Voilà, vous voyez, un petit peu... Oui, j'ai mis des baskets. Non, non, vous ne rêvez pas. Il est hors de question que je me fatigue à mettre des talons, étant donné que je vais quand même me servir, etc. On fait le réveillon chez moi, donc voilà. Mila est prête, je viens de terminer de la préparer également. Je vais vous montrer un petit peu ce que je lui ai mis. Et au cas où vous vous demanderiez pourquoi je ne filme que maintenant, un petit peu comme tout le monde, le 24, toute la journée, j'ai nettoyé, j'ai rangé, j'ai préparé des choses pour ce soir. Donc voilà, j'ai vraiment, vraiment pas eu le temps. Alors au niveau de la déco, j'ai fait quelque chose de super simple. Voilà, c'est même pas des serviettes de Noël, c'est des serviettes que j'avais déjà, pour tout vous dire. Je voulais pas faire quelque chose de trop... Trop quoi, voilà. Je vais allumer les bougies après. Bon, le sapin il a pas changé, hein. Et si vous vous demandez où est Alex, Alex est parti chercher ses grands-parents tout simplement, parce qu'il y a quand même pas mal de routes, donc il est parti les chercher. Et ils dorment à la maison ce soir, donc demain matin ce sera eh bien ouverture des cadeaux du Père Noël. Je pense pas que ce sera ce soir, je pense plutôt que ce sera demain matin pour tout le monde. Alors on a acheté quelque chose chez Picard. C'est un espèce de petit plateau pour mettre des amuse-bouches. Hein. C'est un petit peu compliqué à monter en fait. Vous avez genre 1 milliard de pièces pour monter la petite structure. Donc on va voir si on s'en sort ou pas. Bon alors au niveau des chaussures, Mila, les chaussures qui viennent de chez H&M, des petits collants. Une robe de chez Verbaudet. Un doudou qui est tout à fait correct de chez Kiabi, par contre la tétine, je m'en serais bien passée, mais elle ne veut pas me la rendre. Elle est un petit peu fatiguée, pourtant il est 17h50 pour tout vous dire, on est déjà prête. Il n'est pas très tard, mais elle est fatiguée. Voilà. Il y a toujours belle maman qui se bat avec le... le plateau de chez Picard. Chez Picard, chaque année, ils font des trucs très très jolis pour, eh bien, pour les fêtes. Mais parfois c'est un petit peu compliqué, c'est pas la première fois que on se bat un petit peu avec les trucs. Montre comment t'es jolie. Oh bah alors. Bah bien de faire ça, tu vas les ramasser hein. Petite fille modèle Mila aujourd'hui. Enfin, au niveau des vêtements je veux dire. Elle a trouvé, ça y est. C'est un peu la misère hein. Niveau notice, ils sont pas au point. Hein. Ouais, c'est clair. Si vous aussi, vous avez galéré avec « Il était une forêt enchantée » de chez Picard, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse. Écoute, écoute. Qui c'est qui est là? Il y a mes mères et mes pères. Ça y est, les a vus. Elle les a vus. Il y a du reste qui saute, du coup. Maman. Coucou. Maman. Coucou, maman. Maman. Bon, tout le monde est là. Je viens de finir mon apéro. Enfin, finir. Je viens de préparer mon apéro. Regardez la fameuse forêt enchantée ou je ne sais quoi. C'est plutôt mignon. Hein. C'est plutôt assez mignon. Hein, l'espèce de champignon, de serre, de petits sapins. Trop canon. Ça, c'est des crevettes. C'est des crevettes avec du fromage et du curry que j'ai fait moi-même. Puis là, vous avez d'autres sapins qui étaient dans cette fameuse forêt enchantée. Puis là, vous avez bien le mec qui boit tout le temps. Non, je rigole. Franchement, c'est assez rare. Pourquoi tu me fais passer? C'est ça, quoi. Mouais. Ce jeune garçon ainsi que son grand-père vont manger des huîtres. Disons que c'est mieux que le foie gras, on va dire, au niveau pas de foie gras. Respect des animaux. On mange du saumon, nous, monsieur. On mange pas de foie gras. Du saumon et du saumon sauvage. Hein. Mais les... Ouais, du saumon sauvage, celui qui nage vraiment dans un truc qui est pas dans une petite... Enfin, vous voyez ce que je veux dans dire. Dans une bassine. Et ouais. Moi, j'ouvre les huîtres avec juste un couteau, hein. Pas de pince, pas de machin, tout. À l'ancienne. Encore vivante, en plus. Il y en a une qui m'a mordu tout à l'heure. Bête. Alors, petit changement de programme pour les cadeaux. Pour les adultes, le Père Noël est passé de bonne heure aujourd'hui, en fait. Voilà. Le Père Noël est passé un tout petit peu pour Mila aujourd'hui et il passe cette nuit faire la grande tournée pour demain matin. Si... Enfin, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Les cadeaux des adultes. Pour ceux qui veulent manger. Coucou. Tchou tchou. Ils sont à la cantine.
Santé, santé, mon bébé. Santé. Santé, santé, santé. Santé, la puce. Santé. Santé. Papi. Pépère, hey, bébé. Pépère, santé, santé, pépère. Il t'occupe de bébé. Ah ben pépère, hey, il a rien à voir. Allô, ok. Merci. Les autres, mon cœur, on donne les autres. On donne tous les autres cadeaux. Donne les autres cadeaux. Tiens, ça c'est à mamie. C'est pour mamie. Va donner à mamie ça, mon cœur. C'est pour ta mamie. Non, pas mes mères. Pas mes mères. Elle sait plus la pauvre. Ça c'est pour Mamie 4. Ça c'est pour Mamie 4. Oh là là. Non, non, Mamie 4. Mamie 4, Mamie 4. C'est pour Catherine. C'est pour Mamie 4. Mamie 4. Catherine. Donne à ta mémère. Elle veut pas que je remballe. Tiens, mémère. Ma chérie. Tiens, mémère. Ça c'est pour Mamie. Ça c'est pour Mamie Marianne là-bas. Mamie Marianne. C'est pour Mamie Marianne. Ça. Tiens, mon cœur. Elle a bien dit, hein. Elle a bien dit, hein. Tiens, ça c'est pour maman. Ah. Ouais, merci. Merci. J'ai eu un truc de ouf. Ma mère m'a offert ça. Un truc pour aller dans un spa. C'est les box. Pour rien glander. Underbox, allez. Ouais, c'est ça. Rox va ouvrir son cadeau. C'est là qu'on va voir si je dois supprimer toutes les vidéos de sa chaîne ou pas. Est-ce que tu sais ce que c'est? Dis-le avant. On va voir à ta tête si tu sais ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ça me fait peur par contre. Parce qu'il faut être sûr que je viens maintenant. Tu me fais peur quand tu fais des cadeaux toi. Ah, c'est UGG. La taille c'est quoi? On dit pas UGG. Hein. Je sais pas comment on dit, je m'en fous. Depuis le temps que j'en veux. Oh mais j'aime pas les noirs. Il y avait que noir. Tu peux changer les couleurs. Qu'est-ce que c'est? C'est les UGG, c'est les bottines. Non Mila, déchire pas les guides. Non. Allez. C'est les bottines. Oh, c'est des gros machins. Elles sont belles mais c'est carrément pas mes préférées. Je suis désolée. C'était ça ou... Il y avait que... les beiges avec le petit nœud derrière. Il n'y avait pas, il n'y avait que marron, noir. Les marrons, mais avec le nœud derrière. Non, mais marron foncé. Le modèle super connu. Celle-là, c'est vraiment les plus classiques. Quoi. Alors, Alex a eu sa GoPro, bien sûr. Elle est là. On l'a recrachée. Ah, et d'abord un vinaigre. Mmh. Ah ouais. C'est pas la 5, c'est la 4. C'est celle que je voulais. Je voulais pas la 5. Je voulais la 4 black machin, high level machin, tout. Comme ça je vais vous faire des vlogs en vélo parce que la vieille elle était trop pourrie. Ouais. Pour bébé nageur, ça va être mieux pour bébé nageur. Par contre les UGG pour le coup, je vais pas faire mon enfant... Les hug parce que je me suis fait défoncer parce que je disais hug. Parce que je disais UGG et pas hug. Ok. Ce qui paraît, c'est en fait de la vraie bête. C'était du cause de. C'est-à-dire que je ne le savais pas. Je ne sais pas. Il n'y a plus d'étiquette. Elles sont remboursables ou échangeables ou. Je pense qu'il va y avoir un remboursement en fait. Moi, j'aurais dit. Je vais garder les sous, c'est mieux. C'est une chouette. Regarde ma grand-mère. Il y a un grand duc. Ma grand-mère toujours pas. Enfin, ça ressemble plus à un hibou qu'à une chouette. Hein. Bon, là, il est hyper fatigué.
fatiguée, donc je viens de monter. On va être en mode camping dans la chambre de Mila parce qu'on a laissé la chambre aux grands-parents, bien sûr, notre chambre à nous. Donc voilà, on fait du camping, on a mis un matelas de place dans la chambre de Mila et on va dormir ici avec Mila. Et à partir de demain, je pense que Mila dormira dans son lit et ça va être très compliqué. J'espère en tout cas que cette petite vidéo sur notre réveillon vous aura plu. Hein. J'ai essayé de vous filmer quelques petits passages, vous montrer un petit peu comment ça s'est passé pour nous. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Et là, c'était tellement le stress pour monter, Mila est tellement fatiguée que j'ai pris mon démaquillant pour me démaquiller sur place. Voilà, oui. Donc c'est vraiment du camping aujourd'hui. Hein. Du coup, je vous laisse, à demain pour l'ouverture des cadeaux demain matin. Enfin, les cadeaux de Mila en tout cas.